Ok guys, donc là dans le fond, je suis ici pour un autre vlog, ok? Je sais peut-être que je suis un petit peu rouge parce que je me suis comme fait un petit peu vite les sourcils parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie du documentaire. Fait que dans le fond, au début, je vais vous emmener à l'école parce que j'ai de l'école pareil. Mais après ça, j'ai une grosse pause. Fait que durant ma grosse pause, je vais me rendre au Vieux-Montréal, aller voir l'équipe de tournage pour aller tourner la deuxième partie du documentaire. Fait que je suis quand même excité. Sauf que ça ne me tente pas trop de full me préparer, fait que je vais essayer de... J'ai les plus mollo possible parce que j'ai trop envie de me préparer un matin. Je suis fucking fatigué. But too bad for me. Là, dans le fond, faut que je me rende à l'école. Il fait quand même pas trop noir parce qu'en fait, je suis parti un petit peu en retard. Il est comme 7h15. Je suis censé être parti depuis comme 6h50. Fait que je sais pas si je vais arriver à l'heure. J'espère que je vais arriver à l'heure, mais on va voir. Puis j'ai tellement hâte d'aller voir le documentaire. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Mais là, il va falloir aller tourner d'autres scènes, ok? Puis là, je me suis vraiment genre préparé de bobotte, sérieux, je suis dégueulasse, ma peau était vraiment sèche le matin en plus. Fait que tout bad, j'espère que l'éclairage va m'aider un peu durant le tournage. C'est là, dans le fond, je suis en route vers le Vieux-Montréal, qui est à partir de l'école, genre, je sais trop pas comment me rendre, fait que là, j'ai mis mon GPS. Dans le fond, on s'en va voir une personne qui vont filmer puis faire des scènes. Ça, c'est Gertrude, le GPS. C'est un loft au Vieux-Montréal pour filmer des scènes avec elle. Et dans le fond, on n'a pas beaucoup de temps avec elle parce que c'est vraiment une personne très occupée, vraiment gentille, de nous permettre de venir filmer avec elle pis tout. Fait que, comme, j'espère qu'ils sont déjà là pour préparer les affaires parce qu'on a full beaucoup de temps. I hope so, ok, ok, let's go! Enfin, je viens d'arriver au Vieux-Port de Montréal. Fait que là, faut que je me rende chez la personne en question chez qui on fait le documentaire. Faut juste pas que je me fasse tuer. C'est ça, mais dans le fond, ça m'a pris genre, honnêtement, je pense que ça m'a pris, je dirais vraiment 45 minutes de me trouver un parking. C'était malade. Je sais pas si vous entendez bien parce qu'ils vendent quand même pas mal. Là, faut que je me rende, c'est fucking beau par contre. Là. Je vais aussi vous montrer ça, là, comment le paysage est magnifique. Tout là, ils sont en train de préparer les caméras, l'éclairage et tout. Fait que, yeah! Oh mais gars, je pense qu'ils ont déménagé parce que je n'étais jamais venu ici. J'étais genre littéralement jamais venu ici. Je comprends pas comment ça marche. Elle va rendre le temps. Je vais essayer de passer. Oh! Allez, ça a vraiment changé, je comprends pas là. Ils ont vraiment déménagé. On va en rire bien. C'est perdu, gars. Ok, tout le monde. Fait que là, j'étais avec Sarah. Puis là, on s'apprête à filmer. Des prises, non. Non, on va filmer avec Blackburn. Puis après. Ouais, non, c'est ça, moi, je suis plus tard. L'instant, plus tard. Ok guys, ben là j'ai une belle petite capuche, ok? J'ai l'air d'un itinérant qui se promène dans le Vieux-Montréal, mais non tout le monde, je suis dans un quartier quand même assez luxueux. Puis je sors du rendez-vous dans le fond pour filmer le documentaire. Là faut que je retrouve mon char, puis là je sais pas où est mon char. Je suis en vie dans mon auto! Yeah! Back to school! Back to school! No, no, no. Back to school! I'm ugly! David, que penses-tu de cette température de cul qui se passe à l'extérieur? Je pense que c'est destinant. Ouais, parce qu'on n'a pas de parapluie. Puis ça me rend déprimé encore plus. Ouais, puis là, il faut marcher jusqu'à nos chars. Puis il pleut comme une esti de merde. Jason, il pleut. Bye bye. Bye bye. Fait qu'on est des ports aujourd'hui, c'est la chill day aujourd'hui. Hein? Encore? Ben ouais! Ouais! I wanna go! I wanna go!
Look at that gorgeous thing. Bon, ben, guys, je suis vraiment brûlé de ma soirée. Ça a été vraiment une belle journée. Puis, je vous dis, mettez le thumbs up sur ma vidéo, laissez-moi des commentaires, des suggestions aussi sur des prochaines vidéos, des prochains vlogs que vous voulez que je fasse et tout. Faites tout ce que vous voulez, guys. Mais on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Right now, you're making it all so incredible.